Comment est-ce qu'on prend soin de vraiment de sa santé en 2020? Comment est-ce qu'aujourd'hui, on est... Comment dans un monde parfait, dans 100 ans, quand on sera tous en santé grâce à ton influence et la tienne aussi, et toutes les inspirations du monde entier. Dans 100 ans, c'est quoi... toutes les personnes qui inspirent ce monde. C'est quoi être en santé en 2020? Alors, c'est quoi être en santé ou comment être en santé? Je mélange les deux, je fais un combo. Alors, on va commencer par... c'est quoi être en santé? Allez, je tranche. C'est quoi être en santé? C'est quoi être en santé? Être en santé, en fait, c'est être dans un bien-être constant, mis à part, évidemment, petites exceptions, parce que notre corps nous parle sans cesse, donc des mini-symptômes, c'est normal. Mais pour moi, la santé, c'est un bien-être constant, physique, moral, émotionnel aussi. C'est-à-dire qu'une personne qui, dans les analyses, a tout bien et qu'elle n'a pas de symptômes, mais par contre qui se sent triste, et voire déprimée, elle n'est pas en santé. Et est-ce qu'à l'inverse, on peut être heureux sans être en santé, d'après toi? Je pense que oui, je pense qu'on peut être heureux. En fait, c'est intéressant comme question. J'ai vu des personnes qui n'étaient pas en santé qui étaient heureuses. Parce qu'elles ont un mental fort, parce qu'elles ont un mindset hyper fort et que la maladie leur a appris. En fait, c'est-à-dire que c'est peut-être des personnes qui au départ étaient aigries, puis elles ont eu une maladie et elles ont compris en fait l'importance de la vie, l'importance de prendre soin de soi. Et en fait, elles ont fait un reset complet de leur vie. Donc la maladie, maintenant, elle est là, elle est installée, mais ils sont heureux parce qu'ils ont compris. Tu vois. Par contre, je pense qu'on est un tout. On est tous d'accord là-dessus, on est un tout. Et quand le corps est malade, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne joue pas. À un moment donné, on se voile la face sur quelque chose et pour moi, la santé se doit d'être complète à tous les niveaux pour vraiment être en santé.